Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul et unboxing. Est-ce que ça faisait longtemps? Un peu quand même, non? Un peu quand même. Bon, alors j'ai cumulé mes achats depuis mi-août, je pense, à septembre. J'ai pas craqué de fou, non, même pas mi-août, fin août à septembre. Et j'ai pas fait de folie de dingue, mais j'ai acheté des petites choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, à me retrouver aussi sur Instagram pour découvrir mes petits avis après coup, surtout pour tout ce qui est produits de beauté, parce que j'en parle après là-bas quand je les ai utilisés ou même en cours d'utilisation. Première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que oui, si vous avez suivi mes aventures, nous sommes partis cet été au Canada. Évidemment, grâce à la Lave, hein, qui m'ont offert l'occasion de faire ce petit album, j'ai réalisé un petit album du Canada pour mes enfants. Donc il n'y a pas 50 milliards de photos à l'intérieur, mais il y a quand même des petites photos. Je l'ai fait avec une couverture dure, mais vous pouvez le faire avec une couverture souple qui est beaucoup moins chère. Moi j'ai payé un supplément pour pouvoir avoir la couverture rigide, mais la couverture souple est très 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 bien et ben, est moins chère. Donc voilà, petit extrait, j'ai fait que des photos comme ça en grand format parce que j'avais trop envie d'avoir des belles photos de nous au Canada, donc les chutes du Niagara. Évidemment il y a des photos de mes enfants qui se sont totalement éclatées. On a fait des photos, voilà, encore des chutes du Niagara, et là on était à Toronto. Donc à chaque fois j'ai remis un petit mot en bas, je sais pas si vous voyez, avec la ville ou l'endroit où on était. Et j'avais tellement envie de que mes enfants puissent comme ça continuer à regarder les photos et s'en imprégner et se rappeler de ce beau voyage qu'on a fait, parce que c'était vraiment un des plus beaux voyages qu'on a pu faire. Toujours à Toronto, regarde-moi cette photo de ma fille que je trouve canon. Là, c'est la vue de Montréal. Donc, en bas, j'ai écrit Montréal. Et regardez cette photo que j'aime trop, trop, trop aussi. Oh là là, les paysages, ça, c'était vers Québec avec les chutes de Montmorency. Donc, pareil, j'ai partagé tout ça dans l'album. Mes enfants sont trop, trop contents de pouvoir le regarder. Et j'ai fini, évidemment, par la petite photo finale, là. Donc voilà, c'est un petit album mais qui est juste canon. Et je voulais vous partager l'info, si ça vous intéresse, avec l'appli Lalalab, vous pouvez faire comme ça des petits albums de vos vacances. Je crois d'ailleurs que j'ai un code promo pour vous sur le site Lalalab, si ça vous intéresse, de moins 20%, ou je ne sais plus exactement, mais je vous l'aurai remis dans la vidéo, et évidemment je vous mets à chaque fois tous les liens dans la barre d'infos. J'ai reçu aussi une deuxième collaboration avec le site Wide. Vous savez que c'est, je crois que vous en entendez partout parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, je ne comprends pas. Je crois que c'est ça qui embaume mes cartons, puisque j'ai reçu ce petit colis il y a quelques temps maintenant et j'avais tellement tellement envie de partager ça avec vous et de pouvoir utiliser. Donc c'est un déodorant réutilisable à chaque fois, vous mettez la recharge et vous pouvez l'utiliser à chaque fois comme ça à l'infini, en mettant les recharges qui vous font envie, en changeant selon vos envies aussi. Et ça, c'est trop canon, honnêtement. Ça sent divinement, divinement bon dans mon colis, c'est un truc de dingue. Mais c'est dingue, dingue, dingue l'odeur. Je trouve le packaging, je sais pas vous, hein, mais trop, trop beau. Et vraiment, il est trop, trop beau. Donc là, sur le colis, il y a des explications pour pouvoir mettre votre recharge à l'intérieur. Et paf, c'est parti pour l'utiliser dans votre quotidien. Donc c'est réutilisable, ça se nettoie facilement. Regardez, tout se démonte, donc tout se nettoie bien. Vous mettez votre recharge, paf. Vous le clipsez et vous êtes paré pour quelques temps. Je trouve vraiment le concept trop trop beau. Et encore une fois, je trouve qu'il est très beau. Et donc avec, j'ai eu deux petits déodorants. Oh là là, les odeurs. Ça sent tellement bon. Donc ça se présente comme ça, hein. Regardez. C'est des petites recharges comme ceci. Donc là, j'ai l'odeur Refill. Alors c'est quoi? Ah, Coconut Vanilla. Ah, c'est ça qui sent trop bon, mon dieu. Et la deuxième, c'est Ambre et Oud. Ah, ça sent très très bon aussi. Ah ouais, ça sent un petit peu plus masculin, mais je pourrais tout à fait l'utiliser. Et Coconut Vanilla, qui sent trop trop bon. Donc vous mettez votre charge à l'intérieur, et paf, c'est parti. Donc vous voyez, hein, c'est vegan, c'est cruelty free, je pense. Made in Holland, hein, sachez-le. Et vous mettez donc votre charge à l'intérieur, et paf, tout est compostable, hein, tout est en carton. Et ouais, c'est super sympa. Je sais pas si vous connaissez Wide, mais je pense que je vais tester Coconut Vanille, parce que vraiment, ça me rappelle trop de souvenirs, cette odeur. Je vais l'utiliser très prochainement. Je voulais d'abord vous le montrer. Je vous en parlerai évidemment dans mes favoris et flops
que je vais tourner prochainement, mais je vais justement le tester avant pour être sûr de vous pouvoir vous en parler correctement. Sachez que si vous voulez craquer vous aussi, j'ai un code promo de moins 20% je crois sur le site Ride. Honnêtement, je vous mets tous les liens en barre d'infos, c'est pareil, mais j'ai trop hâte. Alors j'en ai tellement entendu parler que j'ai vraiment envie de me faire mon avis par moi-même. Donc là, je l'unbox avec vous, mais je ne peux pas encore vous en dire plus. Mais je vais le glisser dans ma salle de bain dès aujourd'hui. Et je vous ai pas dit, quand j'ai ouvert le colis dans ma salle de bain, j'ai mis ma nouvelle recharge. Donc je vais vous montrer le rendu de la nouvelle recharge. Donc j'ai mis celle à la noix de coco. Donc ça se met super facilement. Après vous avez juste à tourner à cet endroit là pour faire monter le produit. Et je l'ai utilisé aujourd'hui. Bon, je peux pas vous dire encore l'efficacité, mais en tout cas pour l'instant c'est très agréable à mettre sur les aisselles. Et vous avez juste à tourner en fait à ce niveau là pour faire monter le produit, donc très pratique. Et la petite surprise, c'est quand j'ai voulu enlever, du coup, oula, Carmine a fait des gâtations, quand j'ai voulu enlever ça, et bien il y en a un deuxième en fait à l'intérieur pour me mettre le deuxième parfum, soit pour moi, même pour mon mari, et le deuxième il est canon aussi, en un petit verre comme ça, il est très très beau. Donc celui-ci évidemment il est encore vide, mais je voulais vous le montrer, parce que j'avais pas fait attention le jour de l'ouverture. Dans ma petite commande, j'ai refait une petite commande avec mon code promo justement sur le site de Ella Rayon Soleil. Vous savez, c'est ma copine Ella qui a un site internet et je lui ai commandé plein de petites choses. Je voulais, alors c'est pas une collaboration, j'ai juste utilisé le code promo qu'elle m'avait offert pour vous. Vous avez été nombreuses d'ailleurs à l'utiliser, ça m'a fait très plaisir. Bah moi je l'ai utilisé aussi pour moi et je me suis racheté quelques petites choses qui me faisaient envie. Donc je sais plus c'était quoi comme code promo, moins 15% je crois. J'ai pris une bougie, d'ailleurs pareil ça a embaumé mon colis, ça sent trop trop bon. C'est la bougie parfumée fleur de coton, les bougies de Mams. Et ça sent vraiment le coton, le propre, ça sent tellement bon. C'était super super bien protégé, donc je vous montre un peu le rendu comme ça. Et ça sent vraiment la fleur de coton. Avec un petit truc en plus quand même, mais vraiment la lessive, le truc qui sent bon. Alors je sais que c'est un concept qui plaît pas à tout le monde, hein, les bougies comme ça qui sentent le coton. Mais moi j'adore quand ça sent le propre. Et alors là, c'est une odeur en même temps de bébé, vous savez, de bébé propre, de drap propre. J'adore, j'adore, vraiment, je vous conseille. Donc ça, j'ai trop envie de tester sur le site de Ella Rayon de Soleil, ben, Ella Beauty and More. Je voulais trop trop tester ces produits-là, ces bougies-là. J'avais envie de tester aussi ces fameuses mousses. Non, pas mousse, non, c'est pas des mousses, c'est des... Comment ça s'appelle? Des crèmes fouettées de douche, en fait. J'en ai pris deux. Donc j'ai pris celle qui s'appelle Fairy Drop, qui a une odeur un petit peu de bonbon, hein, si je me trompe pas. Donc ça se présente vraiment comme une sorte de chantilly douche. Alors ça sent vraiment comme Lush. Mais en moins bon. Je trouve que l'odeur elle tourne un petit peu après avoir sous la douche. Si moi j'aime pas, je pense que ma fille va adorer. Et la deuxième, je suis pas fan non plus de l'odeur, c'est Coco Cabaya. Alors je trouve qu'encore une fois les designs et tout sont trop canons. Mais je suis pas extrêmement fan de l'odeur. Ça sent très faux en fait. Donc écoutez, je vais pas me prononcer, je vais attendre de tester dans la douche parce que j'en ai entendu beaucoup parler sur des influenceuses ou des copines qui m'ont dit que c'était trop bien, c'était trop génial sous la douche. Donc je vais tester sous la douche, peut-être que l'odeur s'atténue avec l'eau et tout ça et que ça sera beaucoup plus agréable. Mais en tout cas comme ça, ça me prend un peu au nez, mais j'ai hâte de tester sous la douche. Je lui ai pris aussi le fameux bronzer ou contouring de chez Moira en version liquide. Je l'avais acheté déjà la version blush et du coup là je voulais la version contouring. En revanche, j'avais pas la teinte la plus claire, je crois qu'elle n'était pas dispo, donc j'ai pris la teinte Golden Honey 300. Écoutez, il faut que j'arrête de dire écoutez là aujourd'hui, je dis tout le temps écoutez. Il a l'air foncé quand même, je vous avoue, mais on verra, on testera. Donc voici la couleur, on va essayer d'estomper un peu pour voir ce que ça donne. Bon, j'en ai mis beaucoup je pense, mais la couleur je pense qu'elle peut me plaire, elle peut s'estomper plutôt pas mal et se fondre à ma peau. De toute façon si c'est trop foncé, tant pis, hein. J'avais pas la teinte la plus claire et je voulais pas, le deuxième je crois qu'elle me paraissait trop orangé. À voir ce que ça donne, parce que j'ai un bronzer comme ça, un peu liquide, très foncé de Huda Beauty, mais qui va très bien avec Carnation finalement. Donc on verra celui-ci quand je vais le tester. Et je lui ai pris un Moira encore une fois, mais un Supernova Multichrome, donc un fameux crayon liner Multichrome. Là c'est la teinte Nova 06, c'est pas celle que j'avais commandée. Ella n'avait plus la mienne en stock, du coup elle m'a proposé soit de me donner un autre qu'elle avait en stock ou de me rembourser. Et bon, moi je lui ai dit que je vais prendre un autre, donc il lui restait celui-ci en stock qui est très beau.
C'est la teinte donc Zerosins Nova et je vais essayer de vous le montrer. C'est vraiment un doré vert que je n'ai pas d'ailleurs. Et sachez que ce que j'ai acheté à Ella la dernière fois, alors est-ce que vous allez voir quelque chose? Il est vraiment doré et un peu vert. Ce que j'ai acheté à Ella, je les utilise très 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 régulièrement dans tous mes make-up quasiment. Du coup bah là, je sais pas si on verra, mais c'est vraiment un doré vert. Tout simplement un peu doré et en même temps avec des reflets verts. Il est très très beau, donc pareil, je suis trop contente. Ça complète ma petite collection. Et le dernier article que je lui ai pris, c'est la fameuse brume. Alors elle m'en avait offert une rose. Je sais plus c'est quoi l'odeur exactement qu'elle m'avait offert, mais vanille quelque chose, vanille praline. Oh, je l'adore cette brume. Et du coup, je lui ai pris musc blanc et noix de coco. Et comment j'ai trop envie de tester. Oh là là, mais ça sent vraiment les brumes Victoria's Secret. Si vous aimez Victoria's Secret, vous allez aimer celle-là. Et donc c'est de la marque, je ne sais plus, Miss So je crois. Ouais, c'est la marque Miss So, So Fragrance. Et c'est la brume Starlet. Et vraiment, elles tiennent plutôt bien en plus ces brumes. Sachez-le, elles tiennent plutôt bien, elles sont vraiment canon. Et dans mon colis, elle m'a offert un petit bonbon et un petit lot comme ça de chez Profusion. Donc c'est un lot cadeau, hein. Il y a bien écrit merci pour ta commande, hein. C'est un gift. Et à l'intérieur vous avez trois petites choses. Donc c'est un lip liner, un crayon pour les lèvres mat avec le rouge à lèvres mat. Et alors si vous voulez faire des petits reflets, vous avez l'espèce de gloss ici très holographique. Et d'ailleurs le gloss me plaît beaucoup. Je sais pas si je vais garder les liners mat, mais le gloss... c'est une sorte de topper un peu diamond, me plaît énormément. Donc voilà, de la petite marque Profusion, donc c'est très sympa, c'est un beau petit cadeau. Et j'ai hâte d'aller tester ma petite bougie là, de la faire brûler. Je passe à ma petite Blissim du mois d'août, je crois, je l'ai pas ouverte. Je crois août ou septembre, je ne sais plus. Non, septembre, rentrée adorée, donc voici le thème. Donc on a un petit produit, un petit code promo Tarte. Ah tiens, votre cadeau, moins 20% sur la marque Tarte, bah ça c'est cool, sur le site Sephora. Et je vois qu'à l'intérieur on a un produit Tarte, c'est le fameux mascara comme ça, Maniteur. Je sais plus si je l'avais testé, si je l'avais adoré celui-ci. Je sais qu'il y en a un chez Tarte que j'ai beaucoup aimé, mais celui-ci je ne sais plus. Bah écoutez, ce sera l'occasion de le retester, mais c'est un beau produit quand même. On a un produit, un sérum au rétinol de la marque The Inky List, qui est une marque que vous trouvez aussi chez Sephora. Ça aussi, encore une fois, c'est un beau produit avec du rétinol à l'intérieur et du squalane pour hydrater et protéger la peau. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais voir un petit peu comment c'est formulé. Et c'est un sérum visage qui aide à réduire l'apparence des rides sans irriter. Donc, à utiliser évidemment que le soir quand il y a du rétinol comme ça. Donc, pourquoi pas. On a à l'intérieur une petite crème nettoyante de la marque Corès. Donc, plutôt pas mal aussi, encore une fois. Une mousse. Non, c'est bien une crème nettoyante, hein, j'allais dire moussante. Et qui nettoie et nourrit à base de pré-probiotiques. Voilà, je vais y arriver. Et donc de la marque Corrèze, ça se présente comme ça. Alors, je savais pas du tout que les packagings de la marque Corrèze étaient dans ce style-là. Mais ça, c'est un beau produit. On a un tout petit produit Nuxe, la crème Bonne Mine Effet Lifetime de chez Nuxe Glow. Donc ça, je connais pas, je sais pas trop si je vais la garder, mais comme d'habitude, ce que je ne garde pas, je vous mets dans un gros concours qui arrive prochainement, puisqu'on a atteint les 15 000 abonnés sur Insta et on a passé le cap des 50 000 abonnés sur YouTube. Donc vous inquiétez pas, je concocte des petites choses pour vous. Et on a pour finir un soin contour des yeux de chez Voilà, donc une marque qui coûte assez cher. En soin contour des yeux comme ça, pourquoi pas, c'est un beau format en plus de 15 ml, donc je pense que c'est même un format 20, hein. Mais elle est plutôt pas mal, la Blissim. Je la trouve plutôt canon là. J'aime beaucoup. Et on a du coup la Beautiful Box. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'elle nous propose la Beautiful Box? Je ne sais pas du tout. Thème du mois, l'été sans fin. Donc un mois de septembre, un été sans fin. Elle est toute mignonne, regardez ça. Elle est toute jolie, toute girly. Et alors on a un petit porte-carte comme ça qui est trop canon. J'avoue qu'il est très beau. J'aime beaucoup le style. Tout brillant comme ça, un petit porte-carte pour mettre, voilà, il est trop beau, j'aime trop, ça c'est un petit gadget que j'aime beaucoup. Toujours pour briller de mille feux, même si ce n'est plus l'été, on a des gouttes illuminatrices pour le visage de la marque Cal, qui s'appelle le Base Nacré, donc pour avoir un petit teint nacré avant de vous maquiller. On a un gel glow, donc là on est là pour du glow, hein. Concentré bonne mine de nuit, prolongateur de bronzage avec DHA.
100% d'origine naturelle. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque là. Et du coup vous mettez ça la nuit et comme ça vous avez le matin une peau toute clean pour et un petit peu bronzée je pense pour la journée. Alors je sais pas si j'utiliserai ce genre de produit, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Un petit vernis à ongles rouge cerise un petit peu, il est très beau, de la marque Born to Bio. Donc je pense que c'est la marque de Beautiful Box. Donc ça c'est bien, mais ça va être pour vous je pense. On a un petit dissolvant 99,9% d'origine naturelle de la marque L'Onglerie. Donc ça peut être cool. Après à tester voir s'il marche bien, parce qu'une fois j'ai reçu un dissolvant dans la Beautiful Box et il a jamais réussi à enlever mon vernis. Donc à voir si ça fonctionne ou pas. Si ça marche je le garderai, sinon non. Et pour finir, on a un petit, une petite crème, un fluide visage jeune et belle, 99% d'origine naturelle. C'est un format quand même très conséquent de 50 ml, je pense. Et est-ce que ça va bien focus? Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez rien, mais en fait, c'est parce que c'est du bleu clair sur du blanc. Donc, elle est plutôt douce. C'est pas ma box préférée pour le mois, mais elle est plutôt sympa. Moi, je vous avoue que j'adore la petite pochette et... Ah je sais pas, parce que le dissolvant faut voir si ça fonctionne. Et pourquoi pas les petites paillettes illuminatrices, à voir si ça fait pas trop boule à facette. Et j'ai passé pour finir une commande sur le site The Body Shop. Et j'avais trop envie de vous partager, c'est une commande un peu plus automnale hein. Et j'ai pris, alors j'ai eu d'ailleurs des cadeaux sur le site The Body Shop. J'ai eu un masque en cadeau, je crois que parce que j'avais atteint les 40€ d'achat, je sais plus où, 35€ d'achat. Sinon le reste c'est que des choses très pour l'automne. Donc je vous montre, hop, je jette le colis qui est tout beurre, qui est tout cassé. J'ai eu en cadeau le masque comme ceci à la rose. Donc c'est le masque frais, repulpant à la rose. Et je pense que je vais vous le mettre de côté parce que moi je suis pas extrêmement fan de la rose. Je suis contente d'avoir eu ça en cadeau, hein, c'est toujours ça de gagner. Mais ça va être pour vous dans le fameux gros concours qui vous attend. Moi je me suis pris la gamme Pumpkin, Vanilla Pumpkin, que j'adore chez The Body Shop. Et mon produit favori c'est la crème pour le corps. Donc j'ai pris le gel douche et la crème pour le corps Vanilla Pumpkin, qui est vraiment cette odeur sucrée de l'automne, vraiment parfaite. Le gel douche j'aime moins parce qu'il sent bon, mais c'est pas ce qui reste sur le corps. Mais j'aime beaucoup la crème pour le corps. Bon, je suis trop contente de l'avoir. Et je me suis pris toujours à la Pumpkin un masque sous la douche, éclat instantané, sous ce format. Donc c'est un masque qui est en verre, hein, sachez-le, c'est qualité un petit peu plus haut de gamme. Et il était un peu plus cher aussi, mais j'avais trop envie de le tester. Est-ce que ça sent la Pumpkin? Oh, il est trop beau, il donne trop envie là comme ça. J'aime bien l'odeur. Alors ça sent pas la même chose que Vanilla Pumpkin. Ça sent un côté un peu plus naturel. Donc vous le faites et vous pouvez le rincer comme ça sous votre douche. C'est super pratique et ça apporte de l'éclat à votre peau. Donc ça j'ai hâte de tester. Et pour compléter ma commande, pour justement avoir le fameux masque gratuit là, j'ai pris un bronzer, donc une poudre bronzer matte de chez The Body Shop. J'ai jamais testé leur make-up là-bas. Donc c'était l'occasion, ça se présente comme ça avec une petite houppette dans des petits formats aluminium comme ça réutilisables, c'est plutôt pas mal. Et alors c'est bien protégé, hein, c'était super bien protégé. Vous avez une petite protection avec votre poudre là. Elle me paraît quand même assez claire, je la voyais pas si claire, j'ai pris la teinte 03 médium pourtant. Mais elle me paraît claire, mais je vais la tester très vite parce que j'ai trop hâte de me faire un avis. Et de glisser tout ça dans ma salle de bain. J'attendais que ça de vous faire cette vidéo, je vous jure. Et le gros achat sur The Body Shop, c'était évidemment un calendrier de l'Avent. Et oui, alors l'année dernière j'avais pris le moins cher des calendriers de l'Avent The Body Shop. Je crois que c'est celui qui est autour de 59€, 60€. Et là j'ai eu envie de prendre le calendrier middle, vous savez, medium, celui qui est entre les deux. Donc il y en a un plus cher, il y en a un pas cher. Et celui-là c'est le deuxième en fait, qui était à 80€, 90€, 90€ je crois. Et donc hop, on va l'ouvrir ensemble parce que je l'ai même pas ouvert du... Oula, je casse tout, Karine elle casse tout. Je l'ai même pas ouvert du colis, j'attendais de l'ouvrir avec vous. Et je suis un peu moins fan maintenant de leur calendrier de l'Avent au niveau des designs. Je l'ai trouvé un petit peu moins fan, mais là celui-là en mode gros cadeau, je l'ai trouvé très beau. Et alors, hop là, regardez, ouais, si il est pas mal en fait, en vrai il est très beau.
Ça sent bon, ça sent déjà comme ça. Si finalement la petite déco elle me plaît bien. Et quand vous soulevez, vous avez tous les premiers cadeaux ici. Et vous avez deux tiroirs juste en dessous. Regardez, il est trop canon. Ah si finalement il est beau. En fait en photo il rendait pas aussi bien. Et le deuxième tiroir il est trop gros quoi. Il est trop beau. Et alors c'est mélangé, hein, c'est à vous de chercher dans les trois tiroirs. Et ça fait sous un sapin, ça peut être trop canon parce que du coup ça fait le design d'un gros cadeau. Donc trop beau, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Mais ça, rendez-vous sur Instagram au mois de décembre. Voilà pour mes derniers achats, mes derniers petits craquages. J'ai aussi craqué chez Sephora pour les deux palettes de Marion Caméléon. J'avais jamais réussi à avoir la première. Du coup, j'ai commandé les deux d'un coup, là, la nouvelle et la celle de l'année dernière. Donc, je vais vous montrer ça dans une petite inclusion, mais sinon, je vous montrerai ça sur Instagram. J'ai hâte de les utiliser pour voir un peu ce que ça donne, voir si je vais pas être déçue. J'ai hâte d'utiliser aussi ces palettes. Mais c'est les seuls craquages que j'ai fait sur Sephora ces derniers temps. J'essaie de me préserver un petit peu parce que le mois d'octobre arrive et c'est le mois de mon anniversaire. Et du coup j'ai envie de préserver un petit peu mes envies pour mes potentiels cadeaux d'anniversaire ou même m'offrir moi-même des cadeaux d'anniversaire. Et je crois que souvent avant mon anniversaire il y a la fameuse journée gold. Donc on verra d'ici là, mais sinon je craquerai à ce moment-là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous vos derniers achats, que ce soit box, automne ou vos calendriers de l'Avent, si vous êtes team ou pas calendrier de l'Avent. Je vous avoue que moi je suis pas hyper emballée cette année par les calendriers de l'Avent. J'ai pas encore acheté beaucoup de calendriers. J'ai pris celui-ci parce que voilà, c'était l'occasion de le prendre. Et j'avais une petite carte cadeau à dépenser sur le site The Body Shop. Mais peut-être que j'en achèterai un autre, je sais pas. Peut-être que j'en mettrai dans ma mouchise d'anniversaire. En tout cas, dites-moi vous si vous êtes plutôt calendrier de l'Avent, si vous avez repéré des petites choses ou pas. Et puis on se retrouve comme ça dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas de liker cette vidéo avant de la commenter. Et puis je vous dis à très très vite dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Salut !